Et salut tout le monde, c'est Francis, votre prof de dessin, BD, manga pour une vidéo de reprise après une petite interruption. Oui, ceux qui ont vu la vidéo précédente savent de quoi il s'agit. Une vidéo de reprise qui a commencé comme toujours avec moi par un petit café de bon matin. Alors normalement je dessine en même temps, mais là, en feuilletant un artbook de One Piece, je tombe sur qui ? Devinez ! Usopp qui semble galérer grave sur un dessin. Alors honnêtement, j'ignorais qu'il dessinait le garçon. Et là, je vous dis, il m'a carrément fait pitié. Il avait l'air de galérer sur son dessin tellement que je me suis dit, allez, je vais lui mettre un petit peu de couleur avec mes vieux néocolor 2 aquarellables de chez Carandache. Ça va lui mettre un petit peu de joie, je sais pas, et d'énergie. Bon, pas sûr que ça ait marché au final, même si je suis fier du résultat personnellement. Son problème, vous l'avez compris, c'est de dessiner correctement des personnages de dos. Je le comprends, c'est pas facile et ça méritait bien une petite vidéo dédiée. Vous me connaissez si je peux rendre service. Allez, les amis, c'est parti! On va commencer par un truc facile et que les pros utilisent tout le temps. Par exemple, en dessin animé, je vous montre un exemple à droite. Une idée? Non? C'est l'astuce de la silhouette. Alors, ça fonctionne comment? Idéalement, surtout quand on débute, c'est d'avoir ou de faire spécialement un personnage de face. Plus c'est de face, plus c'est facile. Ensuite, ça peut se compliquer, hein, mais ça se gère, on va le voir ensuite. Donc, voilà un petit gars dessiné de face et qui a... C'est magique, hein, un contour, une silhouette qu'on va laisser au trait et qu'on va remplir avec différents trucs. Alors, le col de la chemise, on a les bords, le côté, mais on doit dessiner le milieu qui est montant sur le cou. Le cou qui monte lui aussi un peu sur la tête et les cheveux qui cachent ensuite le reste. Là, ça dépend un petit peu de chaque coupe de cheveux. Alors, une chemise de dos n'a pas trop de détails, mais un trait au milieu, ça meuble bien le truc. Les détails, faut dire, ils sont surtout sur les manches, coutures, plis, etc. Oh zut, j'ai un petit peu foiré les doigts. Bon, on s'en fout et on fait aussi évidemment un bas de chemise bien net. Alors, je l'ai dit, c'est un petit peu vide au milieu de la chemise. En vrai, on va utiliser le fait que dessous, et c'est pareil de face, hein, il y a une zone de cage thoracique en patate. Et cette zone, on peut la marquer avec par exemple des plis légers. Le plus dur, si on peut dire ça, c'est de dessiner l'intérieur de la chaussure avec le talon devant. Ici, le bas de la chaussure est sur une ligne, on le voit, donc on garde le contour pareil que de face. Et c'est ça qui est assez facile. Au final, bon, on met quelques plis de pantalon aussi, faut que ça reste simple. Soyez surtout attentifs sur le col et le cou, c'est le principal. Alors, de face ne veut pas dire droit comme un piqué. Par exemple, avec un corps un peu balancé et de face, ça marche aussi. Voilà une fille dynamique, avec pieds d'appui et jambes tendues, qui a donc aussi une silhouette. Alors là, avec les cheveux longs, bah, pas besoin de col ni de cou, c'est easy. Pour les bords de la manche, l'astuce, c'est d'inverser la courbe. Ça fait sentir que les coudes du personnage reculent. Idem pour le bas du t-shirt. On inverse la courbe, ça arrondit le popotin, et c'est très joli. Et bien sûr, on cède là encore de la patate de la cage thoracique pour mettre une zone d'ombre et quelques plis. La jupe reste ronde, hein, c'est normal, le volume de jupe est plus grand derrière, de base. Alors bon, le truc le plus compliqué ici, c'est que les pieds ne sont pas sur une ligne. Je vous montre car sur la fille, c'est un petit peu brouillon. La base, hein, c'est une jambe, un talon dessous et plus bas et de côté la pointe du pied. On rajoute une épaisseur de semelle et c'est cool en grande partie parce que le talon et bout de pied sont sur deux lignes différentes. Mais de derrière, ça se complique, je l'ai dit, car le talon descend beaucoup. Et la pointe de pied est plus haute, on le voit grâce aux lignes. C'est l'inverse par rapport à la posture de face. Ça peut paraître évident maintenant que je le dis, mais il faut y penser et concrètement, il faut changer cette partie-là de la silhouette de pied comme ceci. Et comme cela. C'est en fait la zone magique de ce genre de posture. Et oui, on garde, on s'appuie sur la silhouette de face et on change particulièrement cette zone de pied. Voyez, hein, que ce soit de face en version ancrée ou de derrière, la différence de niveau entre talon et pointe de pied, ça fait tout de suite pro, ça fait tout de suite classe et élégant. Pensez-y, car ça rapporte gros, voilà. Et quelques petites ombres en bleu pour le volume de dos, de cheveux, etc. Moi, j'aime bien, c'est la touche finale.
Alors, le dos, il faut peut-être en parler un petit peu. C'est quoi, de base, le dos? On le voit ici, c'est une patate plus ou moins grosse. Oui, je sais, je parle beaucoup de patates et de café chaud dans mes vidéos, ne me jugez pas. Bon, la chose à savoir sur le dos, c'est que selon la posture, sa forme de patate change un petit peu, par exemple, de profil. Voici une jolie tête de Nami de One Piece, de profil, avec son petit cou mignon. Et du coup, c'est une patate moins large car vue de côté, arrondie légèrement de chaque côté du cou. Mais attention, qui descend un peu vers la gauche. Ça, c'est à cause du ventre qui s'avance toujours. Et du coup, eh bien, l'autre patate, celle du bassin, elle recule vers la droite pour former les fesses. Et pour ceux qui se demandent où placer la boule des épaules, je réponds, ça dépend. Cas numéro 1. Le bras recule un peu, du coup, l'épaule recule aussi. C'est la posture classique, naturelle, je dirais. Cas numéro 2, le bras s'avance pour prendre un truc, par exemple, et du coup, la boule d'épaule s'avance aussi. Pas con, hein? C'est joli, ça dégage de l'espace de dos, on voit bien la cambrure, c'est cool. Bon, là, on va faire un dessin pris dans le même artbook de One Piece. Je vous mets le lien Amazon en description pour les amateurs. Nami en kimono. Alors, pour certains d'entre vous, dès qu'il y a des vêtements comme un kimono, c'est tellement ample qu'on ne voit plus la forme des bras et du corps en forme de patate. Et je réponds non. La patate est recouverte, certes, par du tissu, des plis, mais il y a toujours une zone où on doit avoir une partie de la patate. C'est obligé. Ici, c'est l'arrière avec une jolie courbe qui est un segment du dos. Tout le reste peut être foufou ou partir dans tous les sens. Ici, l'arrière du dos est hyper net, hyper patate, je dirais. Ok ? C'est la zone pro à ne jamais rater. Alors bon, pour l'arrière complet du dos, c'est pas compliqué en fait. Pour un homme ou une femme d'ailleurs, on place toujours une belle courbe d'épaule comme un cintre d'armoire. C'est le truc important qui tient tout le reste du corps, épaules, bras, etc. Et d'ailleurs, encore plus si le gars a un costume. Ces courbes doivent être bien faites et débordées même un peu à droite et à gauche, car généralement c'est rembourré, c'est pour ça. Les plis, on les fait sur les manches et pas sur le dos. Et voyez, il y a peu de détails, mais on va quand même donner du réalisme à cette posture sans fioritures grâce aux ombres ici sur les avant-bras et aussi sur le creux du dos comme on l'a vu tout à l'heure. C'est idem, hein, et ça fonctionne à mort. Et mention spéciale pour les bras où on sent que les coudes reculent vers nous alors que les mains invisibles s'avancent. Merci les ombres. Et je vous vois venir, qu'est-ce qui se passe en cas de dos nu? Là, on va prendre un modèle féminin en maillot. Vous pensez sans doute qu'il y a des tas de muscles à placer. Et en réalité, le truc important, c'est la ligne courbe qui fait deviner un peu la colonne vertébrale. Les muscles du dos, eux, ils existent, hein, mais ils sont plutôt plats et ils ne ressortent jamais vraiment beaucoup. Donc, à part les épaules qui s'arrondissent, il n'y a pas vraiment grand-chose à voir. Mais il y a un os qui se voit beaucoup, lui, c'est l'os des omoplates. Quand on lève les bras, il fait même une petite ombre. Voilà. Donc un trait léger en noir et une mini ombre, c'est nickel. Et attention, il y a quand même, bon je préfère le dire, un muscle à retenir. C'est le muscle long de chaque côté de la colonne vertébrale, le trapèze inférieur notamment, qui a besoin de son petit espace au milieu. Et donc on fait un petit peu gaffe à lui laisser cet espace. Voilà. Et pour le reste, eh bien, on se concentre surtout sur les contours des muscles, hein. Idem pour un corps de garçon, à moins qu'on soit dans un truc de super-héros, et je vous montrerai un exemple de ça dans quelques instants. Alors, la posture de dos la plus fréquente, celle qu'on a tous envie ou besoin de réussir, par exemple dans une BD ou un manga, c'est la posture dite de 3 quarts dos, c'est-à-dire de dos, mais un petit peu de côté. On a un des deux bras bien avancé, on a un cou penché, on a une colonne vertébrale arrondie qui descend du cou, et une ligne de regard, et oui, c'est important, même de dos. Alors, bon, cette version simple peut se faire avec des volumes plus réalistes, hein, à vous de choisir selon votre niveau. Moi, je préfère celle-ci car on a par exemple deux muscles d'épaule bien placés de chaque côté, un creux de dos, et pourquoi pas nos deux omoplates aussi. D'ailleurs, quand un pro fait une esquisse qui a l'air un peu fouillée comme ça, en réalité, il fait pareil que le dessin précédent, mais en plus rapide. Donc discrètement, il place son cintre d'épaule par exemple, il penche le cou, et on voit que le cou est comme un bilboquet avec un rond du crâne posé dessus.
La mâchoire, elle, est travaillée après, elle s'avance et la ligne de regard permet de placer par exemple le nez et aussi l'oreille. Donc ça, c'est vraiment magique, hein. Je vous le fais en vert pour mieux voir, mais on peut se contenter du crayon de papier, pas de souci. Alors bon, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un t-shirt. Le col n'est pas montant, comme pour une veste ou une chemise. Il s'arrondit un peu vers le bas. Le plus dur, finalement, c'est de placer la couture de la manche, ici en rose. Quoique, on voit que les plis sont difficiles aussi. Ils sont pas forcément sur la manche, car on est de côté, cette fois-ci. Les plis, finalement, sont toujours à droite, et donc, parfois sur le dos, parfois sur la manche. Voilà. Et pour le reste, eh bien, on se fait tout simplement plaisir. On crée son personnage avec son style à lui. On n'oublie pas la zone d'ombre en bas du dos, ça peut être pas mal, et quelques mini traits pour les omoplates qu'on devine à travers le tissu. Et c'est tout. C'est tout. Bon, évidemment, pour la version costume, on retrouve tous ces éléments, cintre pour les épaules, col montant sur le cou avec un col de chemise en plus par-dessus, des épaules larges, bien sûr, une couture, des plis à droite, des traits d'omoplate, et oui, et on remplit tout ça en noir. Alors j'ai pas d'ombre de dos parce que vraiment là le costume est très très sombre, mais juste une petite lumière sur le bras et sur l'épaule, et là encore, ça fait largement le job. Et d'ailleurs pour la tête, je vais dessiner celle du père dans le manga et l'anime Spy Family pour ceux qui connaissent. Ça me faisait plaisir de faire cette tête renfrognée quoi. En fait, elle me fait marrer cette tête, en vrai. Allez, tout ça est très garçon bien sûr, mais pour les filles, en vrai, ben c'est pareil. La seule différence finalement, c'est que moi je réduis un petit peu la largeur du cou, la largeur des épaules aussi, et aussi un peu le buste. Je fais en sorte également de faire des traits plus ronds, plus doux. C'est cliché, hein, je sais, mais ça fait plus fille au final, donc que dire sinon que pour le reste, eh bien, rien ne change. Le côté fille, finalement, il s'obtient en prenant le temps de faire des traits jolis et cool. On le voit, par exemple, le front est plus rond, la mâchoire est un peu moins carrée, et bien sûr, on fait des cheveux girly. Là, en plus, avec le dos à moitié visible, eh bien, le trait de colonne vertébrale, il est dessiné plutôt sur le cou, pour être un peu plus visible. Et on voit aussi les omoplates dépasser au-dessus du tissu. Et même un petit peu sur le tissu, avec quelques hachures qui descendent. Ça fonctionne toujours bien, ce genre de posture. Donc, testez-la chez vous et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Allez, pour les plus courageux d'entre vous, je propose quelques postures de dos vues de dessus, aussi appelées en plongée. Je fais mon esquisse fouillis à moi, mais vous l'avez compris maintenant, c'est une version pro de ce qu'on peut aussi dessiner comme ça, pour débuter en volume simple. Notez que ces volumes sont posés entre trois espaces en perspective avec des lignes pour épaules, bassin, genoux et pieds. On refera des vidéos d'ailleurs sur le corps en perspective, donc je ne m'attarde pas. Mettez simplement sur pause pour refaire éventuellement chez vous. Voilà, pendant ce temps, je travaille un petit peu ma version fouillis à moi. J'aime bien savoir comment fonctionne le corps dans une posture que je crée, car ensuite, eh bien, je peux tout simplement me lâcher et habiller le personnage, par exemple, avec un costume. Notez comme la ligne en gris m'aide énormément pour placer justement et correctement le pli des genoux ou les pieds. Voyez, le résultat final, franchement, c'est carré, c'est réaliste et c'est énergique. Alors, que demander de plus ? Alors bon, au niveau des volumes, si on dessine une fille, il faut changer notamment le bassin. Voilà ce que cela donne. Toujours pareil, mettez sur pause. Et du coup, bien ensuite, ça s'habille easy, tout simplement. C'est trop bien et trop agréable à faire en plus. Je vous montre aussi comme cette posture de base peut servir pour un personnage musclé, et oui, type super-héros. Enfin, vous allez reconnaître le gars dans quelques secondes. L'habillage ici, eh bien, c'est surtout un habillage en muscles apparents. Bon, en vrai, personne n'a les muscles apparents comme ça, mais bon, en dessin, ça passe. J'ai élargi les épaules pour loger tous ces paquets de muscles. Je ne vais pas m'attarder sur les détails des muscles, il y en a trop, la vidéo serait trop longue. On verra ça dans un prochain tuto spécial muscles, parce que le dernier date un petit peu sur le sujet. Voilà, je termine ce dessin tranquillement, je fais des ombres pour mettre en valeur ces fameux muscles. Notez comme le bas du dos est plus à l'ombre. Sur ce, les amis, je vous laisse quoi. Pensez à liker, commenter, partager massivement cette vidéo, car plus on sera nombreux sur cette chaîne, plus ce sera utile à plein de gens. Pensez à vous abonner d'abord et ensuite à rejoindre les sponsors et sponsors plus. Moyennant quelques euros, ces sortes de super fans sont très précieux pour moi, car ils m'aident à pouvoir proposer chaque semaine un contenu vidéo toujours plus travaillé, toujours plus exigeant et fun à la fois. En tout cas, j'espère. Allez, dans tous les cas, je vous claque la bise et on se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo
vidéos sur la chaîne Je Progresse en Dessin. Ciao !